Le gouvernement ivoirien a décidé de sévir contre les auteurs de grossesse en milieu scolaire, un fléau qui a touché 5076 jeunes filles scolarisées au cours de l'année 2012-2013. À l'issue du Conseil des ministres d'hier, le porte-parole du gouvernement a déclaré que des décisions très fortes seront prises pour sanctionner les personnes concernées. Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre sur RTI2. Comme vous pouvez le constater, ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays et les grossesses en milieu scolaire gâchent la vie de milliers de jeunes filles chaque année. Aucun effort ne doit donc être ménagé en ce qui concerne la sensibilisation et ce sera notre fer de lance à juste titre aujourd'hui. Pour en parler, le docteur Brou, psychiatre de son état, le sémillant docteur Brou, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors on sera deux aujourd'hui encore. On va faire un coucou à Miss Conan qui est encore empêchée. Mais docteur, alors on l'a dit, la situation est presque alarmante, hein, je dirais. Oui, je pense que hier, en écoutant le communiqué du Conseil des ministres, moi-même, j'ai mesuré l'ampleur parce que 5076 pour la seule année 2012-2013. Je sais qu'avec la nouvelle année, il y a déjà des grossesses certainement. Parce que je me souviens que le ministre, Madame le ministre, quand Kandia Camara était allé à Bonnecou il n'y a pas très longtemps pour en parler, c'est un phénomène effectivement qui prend de l'ampleur et comme vous l'avez si bien dit, qui gâche la vie de beaucoup de jeunes filles. Parce que sur les 5076, selon le communiqué du Conseil, du Conseil des ministres, sur les 5076, il y a 1000 à l'école primaire. 1000 sur... c'est déjà beaucoup. Donc, école primaire, je veux dire, c'est CM2 maximum. CM2 maximum, voilà. En général, c'est au CM1, CM2. Généralement, CM1, CM2 pour les cas qu'on connaît. Donc, une fille au CM2 qui porte une grossesse, il est évident que son avenir scolaire est en guillemets. Surtout que ce sont des filles, généralement, qui pourraient être issues de familles très défavorisées. Mm-hmm. Donc, il est évident que quand vous portez la grossesse, on vous ramène immédiatement. Certainement, et je pense que les ONG, à côté des mesures rigoureuses que le gouvernement doit prendre, ou décide de prendre du moins, nous qui sommes engagés dans nos émissions à parler aux familles, nous voulons surtout parler de la famille, la responsabilité de la famille dans cette affaire. Alors docteur, nous sommes en plein dans la première partie donc, de cette émission, l'état des lieux, vous avez bien commencé. Et je vous rappelle très chers téléspectateurs que vous pouvez participer à l'émission en direct. Nous attendons vos réactions, vos témoignages, vos contributions. Le numéro de téléphone est inscrit à l'écran 22 40 12 54. Précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Alors, état des lieux, on l'a dit, 5076 cas recensés pour l'année scolaire 2012-2013. Certainement des cas déjà en cours hein, pour cette année 2013-2014 qui a démarré. Absolument. Et ce qu'il faut remarquer également, c'est que la plupart de ces cas-là sont recensés à l'intérieur du pays. Oui, bon, Abidjan, ça existe, peut-être un peu plus rare, mais très fréquemment à l'intérieur. Il faut dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. Depuis toujours, les problèmes de grossesse en milieu scolaire ont existé. Malheureusement, au fur et à mesure qu'on évolue, selon les autorités, cela prend de plus en plus d'ampleur. Donc, je n'ai pas les chiffres des années antérieures, mais je constate que, au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, c'est une situation qui devient inquiétante, qui devient une réalité et qui touche de plus en plus, comme vous l'avez dit, les enfants en milieu scolaire. Alors, ce qu'on constate, c'est que je ne sais pas si c'est dû au fait du retard de la scolarisation des filles à l'intérieur, parce que souvent ce sont des jeunes filles qui vont à l'école déjà avec une poitrine déjà présente. Avenante. Voilà, bien sûr. Et malheureusement, il y a des gens irresponsables, peu scrupuleux, qui profitent de ça et qui créent des gaffes. Donc c'est une réalité. C'est vrai que quand on dit qu'il y a déjà près de 1000 cas à l'école primaire, à Abidjan, 9 ans, 10 ans, l'enfant et la petite fille est au CM2. En général, mais à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué où les petites filles ne sont pas scolarisées aussi tôt que les garçons, vous l'avez dit. Absolument. Donc, c'est ça. Les petites filles peuvent se retrouver à 14, 15 ans encore au CM2. Absolument. Je dis bien petite fille parce qu'à 14, 15 ans, on a encore une enfant. Absolument. Donc, ce sont les réalités. Donc, c'est ça l'état des lieux. C'est le chiffre que l'État a donné. Je pense qu'il n'y a pas plus grand élément à donner pour attirer l'attention de la communauté, toute la communauté éducative bien sûr, mais particulièrement de la famille à laquelle nous voulons parler. Donc je crois que 5076 encore une fois de plus, c'est terrible. Très bien. Un appel, Madame Porquet de Souza, elle nous appelle des deux plateaux. Allô? Bonjour. Bonjour Madame Porquet. Mais j'aimerais intervenir sur le sujet du jour. Oui.
En fait, moi, je trouve ça vraiment déplorable parce que j'ai vécu la même situation. Mais pas que j'ai pu me grosser, mais je recevais des coups en classe au CM2 par me mettre, comme on dit, parce qu'il menaçait, parce qu'il voulait coucher avec moi. Au CM2, hein? Oui, au CM2. D'accord. Oui. Et comment vous avez réussi à gérer cette situation, on va dire? J'en ai parlé à mes parents. Et ma mère est venue dans mon école, évidemment. Oui. Allô? Oui, on vous écoute, Madame Porquet. Voilà, j'en ai parlé à ma maman. Elle est venue à l'école. Aller voir le directeur, on en a parlé. Effectivement, le monsieur, il a démenti les faits. Mais bon, on a mené une enquête. On a fait un coup pour pouvoir le prendre dans la main dans le sac. Il a été viré. Il a été viré, d'accord. Oui. Et il n'a pas été incarcéré, il n'a pas fait de prison? Ah non, pas du tout. C'est resté comme ça, comme on dit, c'est allé nulle part. Et tout. Très bien. Merci beaucoup, Madame Porquet, pour votre témoignage. Très bonne journée à vous. Et là, je pense qu'on va passer. Bon, je crois qu'on passe directement au jour parce que je pense qu'elle a eu la bonne réaction d'interpeller les parents parce que bien souvent, les jeunes filles se retrouvent un peu coincées, ne sachant que faire. Oui, mais on n'est pas encore là. On a fait l'état des lieux, donc on a dit 5076 cas recensés pour l'année selon scolaire 2012-2013. On va passer donc, et la plupart des cas se situent donc à l'intérieur du pays. Alors, on va passer donc au deuxième sous-thème. Ce sera donc les raisons, les causes, on va dire plutôt. Les causes d'abord. Les causes sont tout aussi nombreuses que variables. Je dirais dans un premier temps, en prenant sur ce que Mme Porquet vient de dire, le problème de l'éducation sexuelle. Très peu de familles, du moins, les parents parlent de sexualité. Vous savez, aujourd'hui, on a des enfants de plus en plus précoces. Donc un enfant, par exemple, qui a ses premières règles qu'on appelle en gynéco, les ménages, donc en médecine, les premières règles, qui n'est pas encadrée, ça la trouble. Et quand la personne n'est pas encadrée, pour dire que dès lors que vous êtes, vous avez vos premières règles, ça veut dire que vous êtes susceptible de prendre une grossesse, il y a ça, donc il y a l'absence totale de communication en matière de sexualité. Aujourd'hui, les jeunes filles sont de plus en plus précoces. Je regardais donc un documentaire qui en parlait, etc. Alors, à 10 ans, déjà, une fille qui a ses ménages, comme vous dites, le parent est... 10 ans, c'est jeune quand même pour lui parler déjà de sexualité et de choses sexuelles. Mais vous n'en parlez pas. On se dit que c'est jeune, oui, alors qu'elles sont exposées à beaucoup de choses. Bien évidemment, il n'y a pas d'âge. Je pense qu'à tout âge, il faut en parler. Parce que si on ne parle pas, on va vivre ce qu'on a vécu, du moins ce qu'on est en train de vivre. Donc, je voudrais encourager les parents à dire que même si l'enfant... Je crois que la maman la plus jeune au monde, selon si ma mémoire est encore bonne, c'est 7 ans. J'ai dit 9 ou 7 ans, je ne sais plus. Bon, donc, vous voyez, les enfants sont précoces. Donc, il faut aussi précocement parler. Donc, une des premières causes, c'est le problème de tabou au niveau de la sexualité, l'absence de sexualité, du moins de l'éducation sexuelle au niveau de la famille. Il n'y a pas personne mieux placé que la mère ou le père pour parler de sexualité aux enfants. Je connais un cas d'une petite de 9 ans qui va à l'école, son mère lui parle des règles. Elle est complètement troublée parce qu'on dit les règles, c'est quand une femme saigne, donc elle vient demander à sa maman. Et là, mon Dieu, merci de lui expliquer. Donc elle est troublée, elle a peur, je ne veux pas avoir. Il faut avoir du tact, il faut avoir, je voulais lui expliquer. Docteur, petite digression, on a parlé de plus jeune maman du monde, juste le temps de faire une recherche. Alors la plus jeune mère du monde de l'histoire de la médecine, elle avait l'âge de 5 ans, 7 mois et 17 jours. Elle s'appelle Lina Medina et elle vivait donc au Pérou. Bon, ce cas est suivi de très près par un cas similaire en Ukraine où la jeune fille, enfin la petite fille avait 6 ans et 5 jours. Donc voilà. Voilà, donc voilà, donc effectivement. Mais non, c'est pas une éducation, c'est important. On revient à notre... Donc il y a l'éducation, le problème de l'éducation qui demeure encore, comme je le dis encore une fois de plus, un sujet tabou. Donc la qualité des relations à la maison peut aider à régler et l'absence des relations de qualité peut être cause. Parce qu'en général, la première expérience sexuelle des enfants part toujours des amis. C'est ma camarade qui m'a dit, je discutais d'ailleurs il n'y a pas longtemps, une jeune fille qui très jeune a eu le contact avec ce qu'on appelle la drogue, à moins de 10 ans, et qui explique que c'est sous l'influence d'une amie qui fréquentait déjà ce milieu-là et qui l'y a conduit, bien évidemment. Ça débouchait sur une sexualité involontaire. Donc le milieu familial, c'est important. Mais il y a également le fait que, malheureusement encore,
Nous avons des éducateurs qui ne sont pas de bons éducateurs. Alors, avant d'arriver même aux éducateurs et tout ça, on a parlé du milieu familial. Absolument. On va parler également de l'influence des médias. Parce que les enfants sont très influençables. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qu'ils voient. Même si les parents estiment qu'il est un peu trop tôt pour cette éducation sexuelle, l'enfant est confronté à pas mal d'informations qui l'agressent même presque. Donc, dans les magazines, sur Internet aujourd'hui, l'accès à Internet est vulgarisé. Un enfant de 10 ans, 11 ans, sait déjà manipuler un ordinateur. Il a accès à Internet. Il y a énormément de choses qu'il cherche à savoir. Absolument. Il y a les médias, il y a la télévision, il y a beaucoup de choses, les magazines, et puis les amis, etc. Donc, je suis parfaitement d'accord. Il faut devancer, hein, autant que faire se peut. Oui, il faut que les médias aident, les médias doivent nous aider. Mais je dis toujours que, à défaut que les médias aident, il faut que chaque parent aussi prenne le devant. Très bien. Voilà. Monsieur Kra, il nous appelle d'Odiné. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Kra. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Kra. Bon, j'étais pour intervenir. Oui, monsieur Kra. Bon, concernant le sujet, vraiment, c'est un bon sujet. Mm-hmm. Merci. Parce que moi, étant au collège, j'ai failli vivre ce cas-là. Pas moi personnellement, mais j'étais avec une camarade. Oui. Et il y avait 17 ans, alors elle avait 15 ans. Oui. Et lors d'un baptême comme ça, et on s'est retrouvé dans la fauderie, elle m'a dit que son père lui a dit qu'elle était très jeune pour prendre une grossesse. Que si seulement elle prenait une grossesse à cet âge-là, lors de l'accouchement, elle allait mourir. D'accord. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça l'a sauvé parce qu'aujourd'hui, où je vous parle, elle est juriste, elle a été mariée hier. Mm-hmm. L'année passée, du moins, si je vais si bien m'exprimer, mm-hmm. moi aussi, ça m'a aidé parce que là, on était prêt à passer à l'acte. Mm-hmm. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire, je me débrouille bien, elle est juriste de son côté. Mm-hmm. Donc, je voulais dire que les parents aussi doivent jouer un acte, doivent poser des actes à la maison, mm-hmm. doivent parler à leurs enfants, les frères même. Ah oui, donc la petite phrase du père, là, ça vous a traumatisé tous les deux. Voilà. Et vous n'êtes pas allé plus loin. Voilà, ça nous a traumatisé nous deux. Donc moi, j'ai gardé ça. Conseil. Voilà, donc c'était là ma... Votre contribution. Voilà, merci beaucoup, voilà, monsieur Kra. Très bonne journée à vous. Voilà. Non, ça me rappelle une affaire que moi-même j'ai vécue. Hein, c'était juste une parenthèse. Moi, j'ai fait le collège, le lycée, tout ça. Les histoires de copines, je n'en avais jamais eu. Parce que mon oncle m'a dit, si tu enceintes une fille, quand j'ai perdu mon père, mon oncle s'occupait de moi, il dit, si tu enceintes une fille, ton école est arrêtée. Mmh. C'est-à-dire tu viens terminer au village, il peut m'occuper de grossesse de quelqu'un, de l'enfant de quelqu'un, puis toi, de ton école. Donc vous tous venez au village. Depuis lors, je vous assure que ça l'est. Oui, ça marche. Quelquefois, ça marche, oui. Donc même quand vous voyez les belles filles, à un moment donné, vous êtes aveugle, quoi. Insensible à la limite. Parce que ça, on dit, si tu fais, tu vas au village. Autre droit d'aller au village. Mmh. Donc, bref. Donc, il y a l'environnement familial. Donc, revenez aux causes. Il y a l'influence des médias. Il y a l'influence des médias qu'il faut. Aujourd'hui, on voit des choses à la télévision, sur l'Internet, qui sont des choses. Mais comme on n'a pas les moyens d'échanger les choses sur Internet, moi, je n'ai pas les moyens. Même un État, ce n'est pas évident. Parce que si vous bloquez l'Internet, aujourd'hui, on parle de violation des droits à l'information. Mmh. Donc, du coup, il appartient à chaque parent de veiller. Et c'est d'autant plus difficile que même à la maison, sur l'ordinateur familial, par exemple, on peut mettre un contrôle, un code parental. Mais aujourd'hui, avec les téléphones, les enfants ont libre accès et ils font ce qu'ils veulent. Mais je suis d'accord, mais je reviens encore, peut-être on en reparlera quand on parlera de solutions. C'est là que la nécessité de la communication intervient. Mmh. C'est-à-dire, il faut éviter de rendre les sujets tabous. Il faut éviter de rendre les sujets tabous. Plus vous rangez les sujets tabous, ils sont trop enfants, plus l'enfant va chercher à savoir. Parce que si vous ne lui expliquez pas à la maison, il y a quelqu'un qui va le lui expliquer dehors. Et mal expliquer d'ailleurs. Voilà. Malheureusement, heureusement pour le monsieur qui a appelé, lui, c'est heureusement, on l'a traumatisé. C'était un petit mensonge. Et bien, on même dit si tu veux, tu vas mourir. Oh, personne n'a envie de mourir, même si on sait qu'on va mourir tous. Donc, vous voyez que y a les médias, mais les médias sont difficiles à contrôler. On a beau décrier tout ce qui se passe dans les médias, dans l'Internet, tout ça, ça continue. Mais il faut que les parents eux-mêmes prennent leurs responsabilités pour clarifier les choses aux enfants. Vous pourriez voir telle chose. On n'est pas souvent à la maison. Moi, depuis 5 ans, je suis sorti, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, etc., etc. Il y a également donc, l'ignorance des jeunes filles. L'ignorance qui est que elles ne savent pas qu'en partant, peut-être pour des problèmes d'argent, donc il y a le problème économique qui accompagne, en partant pour des petites promesses de sommes d'argent dérisoires, elles exposent leur vie. Donc, il y a l'ignorance.
Il y a l'ignorance sur le problème de la sexualité. Il y a également des problèmes économiques. Aujourd'hui, nous tous, on court derrière le matériel, malheureusement, avec ses effets pervers. Tout le monde a envie de paraître, même au CM2 déjà, on commence déjà à se faire femme. Mm. Et si on n'a pas la possibilité de trouver, malheureusement, on va dans des engagements difficiles. Monsieur Abdoul Achir, il est en ligne, il nous appelle de Koumassi. Oui, oui, bonjour. Bonjour, monsieur Abdoul Achir. Oui, c'est Abdoul Achir, je suis islamique. Oui, on vous écoute. Ouais, je veux participer à l'émission. Vous êtes le bienvenu. Voilà, moi je pense qu'il faut tuer les choses depuis la base. Oui. Il faut tuer les choses depuis la base. En même temps qu'on parle de l'école, il faut savoir que la même situation se passe hors de l'école. Mm-hmm. Hein, la même situation se passe hors de l'école. Les parents qui regardent un peu les enfants, imaginez-vous un parent qui a son enfant sorti mal habillé, tous les regards sont sur la fille. Et tout à l'heure, vous-même, vous l'avez dit sur le plateau, des filles souvent qui ont la poitrine très bombée, qui attirent les gens, l'État ne fait rien pour ça, il nous faut une police neuve. Aujourd'hui, vous passez partout, les filles sont mises à la rue. L'école aussi, c'est pareil. C'est la même chose qui était dans la rue, qui était dans les maisons, qui sont venus à l'école. Donc vous imaginez, l'homme est sensible. Les professeurs que vous voyez ne sont pas en fait, ils ne sont pas en voie, je ne suis pas en train de les dédouaner. C'est un mauvais acte d'école. Mais je pense qu'il faut tuer les choses déjà depuis la base. Mmh. Il nous faut revoir, n'est-ce pas, la dépravation qui se fait chez nous tous les jours. Et que fait. Et les images que la télévision nous parle, mmh. hein, votre consultant a parlé tout à l'heure, comme on appelle, de l'Internet. Ce que nous cachons aux enfants, ils vont voir ça sur l'Internet tous les jours. Et les gens ont envie d'essayer. Même les filles dont on parle là, c'est elles qui provoquent les professeurs à l'école, c'est elles qui provoquent les maîtres à l'école. Qu'on a déjà un enfant qui habite très mal à l'école avec tout le corps de Dieu, alors qu'il est dans ce Dieu d'éducation. Mmh. L'enfant ne vient même pas avec l'éducation. Comment vous voulez que ces actes-là, nous n'arrivons pas à ce niveau? Maintenant, on nous dit que les enfants ont pris la grossesse, il y a 6000 cas, et c'est maintenant qu'il faut se dire. Non, il faut prendre les choses depuis la base. Quand vos enfants se lèvent dans les cas pour aller à la plage, le samedi, dimanche, ils font du n'importe quoi. Personne n'est pas. Je vais saluer les autorités passables. Ils ont pris des décisions très fortes. Et qui ont interdit cela. Les gens sur les plages. C'est déjà bon, mais il faut qu'on commence les choses depuis la base, depuis la maison. Chaque parent, chaque doit pouvoir dire quelque chose à son enfant. Excusez-moi, moi je suis allé au Bénin, dans la ville de Porto-Novo. Mm-hmm. Je n'ai pas vu une fille mal habillée dans la rue. Je suis surpris, j'ai demandé aux gens, mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Qu'on ne voit pas les poids des filles dehors. On dit chaque parent est le parent de l'autre. Si jamais ta fille sort nue, et son téléphone sonne, on t'insulte bien, et on la force pour la ramener à la maison. Mais aujourd'hui, l'imagine qui plus sur l'emploi de quelqu'un dehors, c'est une convocation spéciale. Si on n'arrive pas à vraiment donner une éducation telle à nos enfants, ça sera du n'importe quoi. On va toujours vivre ces cas et après on va dénoncer des procès inutiles. Vraiment, voilà mon coup de gueule, voilà ce que je voudrais vous dire. Ça n'était je suis entendu. Très heureux de participer au sujet. Merci beaucoup, M. Abdoulassine. Merci, il a dit beaucoup de choses. Ouais, je pense que ça traduit la colère, la frustration, là, la blessure. Il engage la responsabilité des jeunes filles. Parce absolument. Que jusque-là, les causes ont... Les oui, on allait arriver. Et là, il arriver. Parle également des jeunes filles absolument, qui sont quelquefois un peu provocatrices. Absolument, il demande même une police des mœurs. Bon, mais bon, c'est discutable, c'est son point de vue qu'on respecte. Je crois que les autorités ont décidé de prendre les choses en main et trouveront les décisions adéquates, mais... Effectivement, il y a la responsabilité des filles elles-mêmes. On va y revenir, docteur. Vous parliez donc de l'ignorance. De oui, voilà, de l'ignorance sur la sexualité. Et qui vont... Vous savez, quelqu'un qui est ignorant, il est dangereux. Quand vous êtes pour mal informé, pour les autres. Il est dangereux pour lui-même, mais il est dangereux pour l'autre. Donc, deux jeunes gens, parce que souvent, justement, on n'a pas parlé des auteurs. J'ai parlé des mauvais éducateurs. Parce qu'à l'école primaire, il s'est avéré, avec le témoignage qu'on a eu quelquefois, ce sont des instituteurs eux-mêmes qui sont à la base de ces choses. Ça existe bel et bien, je crois, il y a eu un témoignage. Il y a parfois des personnes d'un certain âge quand même qui existent dans le village ou dans les villes qui le font. Donc, il y a de mauvais éducateurs, il y a de mauvais exemples de parents qui malheureusement font ce genre de choses et qu'il faut dénoncer. Mais il y a la responsabilité, je vous l'ai dit encore une fois, de plus des filles elles-mêmes. Qui ont des comportements ou des attitudes. Je l'ai dit ici une fois, on est constamment agressé de nos yeux à longueur de journée dans les rues d'Abidjan. Maintenant, c'est un peu partout, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Mais il faut que toutes les familles,
avec ceux qui œuvrent dans les ONG. Je crois que la première dame doit être sensible parce qu'elle travaille aux côtés des enfants. Et je sais que c'est hier quand elle a entendu, elle a dû être certainement secouée aussi. Donc je pense que toutes les autorités, tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour que ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur s'arrête, puissent le faire. Donc il y a la responsabilité des filles, il faut attirer leur attention, que leur avenir, c'est l'école. Vous savez, j'ai appris quelque chose dans ma vie, il semble que les femmes, il faut m'excuser, elles aiment le présent. L'avenir, on dit, il semble que quand on parle d'avenir, la femme voit que c'est trop loin. Donc on va attraper une petite fille, on va lui proposer, écoute, si tu sois avec moi, je te donne ça immédiatement, elle a accepté, sans même prendre les moindres précautions. Et malheureusement, on arrive à ça. Donc les causes sont diverses. On va récapituler, il y a les médias qui jouent quand même un grand rôle négatif. Ça, il faut insister là-dessus. Il y a les parents à la base, il y a les éducateurs, je vais parler des enseignants, qui parfois sont auteurs aussi de ces sommets. Il faut aussi reconnaître que parfois, ce sont des jeunes gens entre eux-mêmes. Parfois, des élèves qui deviennent des pères. Quand vous êtes deux enfants qui font un enfant. Oui. Bon, là, je ne sais pas si c'est enfant ils ont fait ou c'est petit enfant ils ont fait. Parce que quand vous êtes élève, vous prenez une fille élève, vous allez ensemble, et qu'il y a une grossesse, votre avenir scolaire, à moins d'avoir une chance tout de suite, parce d'avoir que vous des n'avez parents, aucune source aucune de revenus, il faut bien pouvoir... Ah oui, bien sûr, ça crée des problèmes. Si les enfants, absolument. Les parents, pardon, ne sont pas, du moins les grands-parents, ne sont pas disposés à le faire, tout de suite, on va quitter les bancs pour absolument. Il y a pas mal de cas comme ça de jeunes gens qui ont abandonné l'école après avoir grossi une fille. Et les deux se sont retrouvés au village. Donc il faut interpeller les jeunes gens. Ce n'est pas mauvais, selon ce que vous dites. Oui, ils sont retrouvés là-bas pour élever l'enfant là-bas. Hein. je l'ai dit à l'entame de cette émission, on rappelle que 5076 cas ont été recensés pour l'année scolaire 2012-2013. Et donc, la plupart au primaire. Et la plupart de ces cas à l'intérieur du pays. Alors, moi, je voudrais revenir sur la spécificité de l'intérieur du pays parce que bien souvent, les jeunes filles sont affectées après le CEP ou le BEPC dans une région, dans une ville où elles n'ont pas de parents, absolument. Pas d'attache, pas de tuteur. Alors, absolument. À ce moment-là, les parents louent une maison, un studio, ou une maison où elles vivent à plusieurs, et là, elles sont véritablement livrées à elles-mêmes. Je crois que vous relevez un problème assez sérieux, qui est réel. Il y a beaucoup de jeunes gens, effectivement, qui sont confrontés à ça. Monsieur Kéré, il nous appelle de Kumasi. Oui, oui. Bonjour, monsieur Kéré. Oui, bon, c'est par rapport dans l'émission sur le Bruxelles, là. Oui. Voilà, parce que vraiment, ça fait très longtemps. Voilà, il faut que l'État dise la vérité aux jeunes filles. Voilà, c'est eux-mêmes qui provoquent même pour les professeurs. Voilà, parce que souvent, elles sont mal à pied. Donc, si on doit toujours accuser les professeurs, voilà, c'est pas trop à 100%, quoi. Mm-hmm. Voilà, il faut que vraiment l'État dise aux jeunes filles vraiment de s'assurer, quoi. Mm-hmm. Sinon, vraiment, le problème est grave. Voilà, même chez nous aussi, il y a plein de jeunes qui, même, voilà, qui sont enceintes, vraiment, c'est déplorable, quoi. Mm-hmm. Voilà, il faut que vraiment, ils fassent la sensibilisation, voilà, sur les jeunes filles. Voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. D'accord. Mm-hmm. Donc, pour vous, les jeunes filles sont les plus coupables? Allô? Pour vous, les jeunes filles sont les plus coupables? Oui, bien sûr, voilà, elles sont dedans, quoi. Mm-hmm. Monsieur Kéré, une petite question. Vous dites bien une jeune fille qui est à l'école, on suppose qu'elle est mineure, et le professeur, il est censé être majeur, et d'autant plus qu'il est, il a une autorité sur elle, il est là pour son éducation, donc normalement, non, il ne devrait pas se laisser tenter par ce qu'elle fait. Par exemple, non, mais la jeune fille n'est pas obligée d'accepter, ou bien, voilà. Très bien, merci, okay. Monsieur Kéré. Okay. Merci, très bonne journée à vous. Donc, okay. Donc bon, on va revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est un sujet crucial. Et on reviendra à ce que M. Kéré vient de dire. Absolument, oui, je vous laisse là-dessus. Mm-hmm. Donc, c'est effectivement réel. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, très peu de personnes acceptent les enfants en famille. À l'époque, moi, je me souviens, quand nous étions admis, nous qui avons fait l'école au village, quand on partait au collège, vous aviez soit un cousin, un parent ou une famille qui vous acceptait comme étant de la famille, et vous êtes comme un enfant de la famille. Et souvent, il n'y avait aucun lien même de sang. Il n'y avait aucun lien de sang. Souvent, même les parents se déplaçaient en ville pour rentrer dans une cour et demander, mon enfant a eu l'entrée en sixième, il vient, prenez-le. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Pour des problèmes économiques, pour toutes les difficultés de toute nature, personne n'en veut. Donc, je constate que dans nos villages, quand les jeunes gens sont admis au concours d'entrée en sixième, les filles y compris, parfois, on vient leur louer de petites maisons.
quelquefois les moyens même n'accompagnent pas. Parce que vous louez une maison et que l'argent ne vient pas régulièrement pour qu'elle mange, il faut qu'elle trouve à manger. Et bien évidemment, ce sont des proies faciles, à la merci. Parfois, c'est des gens, j'allais dire, qui ne sont pas forcément même en vue de la société, en vue dans la société. Ça peut être des petits vendeurs de la ville. C'est vrai, ils se cherchent, mais ils profitent de ça, puisque la fille n'a même pas le minimum. Donc c'est là encore... Pour oui. Le savon, absolument, je compte. Parce que les parents eux-mêmes, ils n'ont pas de revenus mensuels, ils sont au village. Je ne les justifie pas parce qu'il leur appartient de prendre les responsabilités et d'anticiper. Quand on a récolté, on a travaillé, qu'on a de l'argent, il faut programmer ça sur l'année, puisque l'argent ne viendra pas par mois. Mais quand le savon manque, quand un cahier a manqué, quand la nourriture a manqué, la nourriture qui est notre besoin de base a manqué, il est évident que ce sont des situations qui exposent ces jeunes filles qui arrivent déjà au collège, jeunes certes, mais comme on a dit, grandes. Parce que c'est à 14 ans, 15 ans quelquefois, elles sont déjà plus ou moins formées et ce sont des proies faciles à la recherche de la facilité. Je pense que par rapport à ce que le monsieur qui a appelé, j'ose croire que c'est un enseignant s'il défend le cas ainsi. J'ose croire, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais effectivement, c'est la recherche aussi de la facilité. On va en parler. La dernière fois, il y a mère qui nous racontait un cas qu'elle avait vu dans le journal où dans une maison à l'intérieur du pays, il y avait plusieurs jeunes filles qui vivaient là parce qu'ayant été affectées, n'ayant pas de tuteur dans la ville. Et il y avait un grand frère, on va dire un grand frère qu'on a mis pour les surveiller. Elles étaient neuf, c'était sept. Bon, il est fort. Hein. Il a fait sept enfants en même temps. Bon, oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire quand, en tant que famille, il ne s'agit pas forcément de moyens. Les moyens, ça compte. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir plusieurs fois là-dessus. Mais il faut que les parents aient un regard. Vous savez, je connais des situations où l'enfant est allé au collège. Peut-être le papa l'a accompagné une fois. Il n'a plus mis pied là-bas jusqu'à la fin de l'année. Il ne sait même pas que son enfant a été renvoyé. Il ne sait même pas que son enfant a ce problème. Parfois, il apprend d'une année à 6 mois de grossesse. Évidemment, donner un garçon qui suivait peut-être de jeunes filles et qui ne sont pas forcément l'aide, il est évident que si ce grand frère, soi-disant, en griffe, a un minimum, il a un minimum de pouvoir, parfois même ça peut aller plus loin. Quelquefois, il peut les utiliser à des buts de prostitution, encourager ses filles à aller avoir des relations sexuelles, monnayant quelque chose. Et ça expose ses filles, malheureusement, très tôt. Et ce sont des situations très malheureuse. Alors, si nous revenons sur ce que M. Kéré a dit... Donc, les jeunes filles... Et on vous appelle, hein, très cher téléspectateur, à donner votre avis déjà sur le sujet et sur cette question en particulier. Donc, il était très véhément en disant que c'était les jeunes filles qui agressaient presque les enseignants et les autres. Il rejoint un peu M. Abdoul Achir, hein, qui demandait une police des mœurs. Je pense que chacun... votre avis sur la question. Chacun a sa part de responsabilité, parce que malgré ses habillements... que nous décrions tous, ce n'est pas tous les enseignants qui vont avec les femmes, les filles, je vais dire. Monsieur Boisbré, il nous appelle de Ndoussi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Boisbré. Je voulais participer à l'émission. Vous êtes le bienvenu, on vous écoute. Bon, vraiment, je voulais véritablement remercier la RDI2, qui permet que nous, qui sommes un peu enclavés dans le petit village là, on puisse véritablement s'exprimer. D'accord. Bon, il faut dire que c'est vrai, les consultants et tous ceux qui ont appelé ont déjà tout dit. Oui. Mais il y a un aspect que moi je voudrais souligner. Oui. Qu'ils n'ont pas encore dit. Il y a l'expérience, c'est-à-dire que les jeunes filles aujourd'hui veulent expérimenter tout ce qu'ils ont vu peut-être dans le portail. Parce que là, moi, je suis dans un petit village où il n'y a même pas d'internet. Voilà. Donc, tout ça, il y a aussi cette expérience. Et moi-même, j'ai vécu, je vis actuellement ce même cas-là. J'ai mon neveu qui sort à 23 ans, qui sort avec une petite fille de 13 ans qui est au CM2. J'ai beau-père, le jeune homme ne veut pas arrêter. J'ai tout fait pour croiser les parents de la jeune fille. Ils m'ont fait croire qu'ils sont au courant. Mais ils ont tenté de vraiment corriger, de chicoter leur fille. Mais malheureusement, chaque fois qu'ils chicotent leur fille, quand elle fuit, elle ne revient plus, elle fait 2 ou 3 jours. Donc finalement, ils étaient obligés de laisser la jeune fille faire ce qu'elle veut. Donc, il y a aussi vraiment l'irresponsabilité des parents dans cette histoire-là. Et la jeune fille a même importance que mon neveu a payé. Elle a ça, elle filme ses parents au village et tape très bien. Donc, vraiment, cette histoire-là, si le gouvernement peut vraiment prendre des mesures, il s'impose pour que nous, qui sommes parents d'élèves, puissions véritablement respirer.
Ce sera vraiment un ouf de soulagement. Très bien. Donc voilà ce que moi je voudrais dire. Merci beaucoup, M. Boabri, pour votre témoignage. C'est un cas. Vraiment, moi qui vous remercie. Très particulier. Absolument. 13 ans, elle est mineure, mais plus que mineure même. Oui, et à 23 absolument. Ans, c'est majeur. Donc il faut lui dire qu'il est passible d'une peine d'emprisonnement. Oui, en plus, oui, apparemment, il faut leur faire peur, il est traumatisé. Je pense qu'il faut inviter les juristes pour qu'ils donnent le côté pénal, pour les gens comprennent que. Et les parents de la jeune fille ont ce recours-là de porter plainte pour détournement de mineurs. Absolument, mais vous savez, la tradition et la pesanteur est toujours un problème. On se dit, à 13 ans, elle est mineure, mais elle est mineure pour la loi. Mais au village, si elle est grande et qu'elle présente toutes les. La physiologie, la physiologie. Apparemment, les parents ne sont pas pour cette relation, puisqu'il a dit chaque fois qu'ils en parlent ou qu'ils essaient de la corriger physiquement, elle fait une fugue. Oui, bien, oui.